Alors, les amis, vous constatez là que je suis en noir. Je suis en noir. Déjà, je ne vais pas vous poser la question de savoir comment vous allez parce que j'imagine que tout un chacun, tout le monde dans notre communauté, ça ne va pas. Moi, déjà, je ne vais pas bien quand je vois ces choses qui s'abattent sur nous, ces choses qui arrivent seulement à nous, dans notre communauté. On se pose les questions, pourquoi c'est seulement à nous? C'est jusqu'à quand ces choses-là? Alors, je m'avais vous parler très rapidement d'une histoire que vous avez certainement vue sur les médias, sur les réseaux sociaux. Une petite qui nous a quittés ici, là, hein, par pendaison, âgée seulement de 11 ans, qui fréquentait dans une école de la place du côté de Paris. La petite Noé, là. Vous imaginez un peu, les amis. 11 ans seulement, elle s'est pendue. Et c'est sa petite sœur de 5 ans qui la retrouve derrière la porte. Après quelques minutes, après les pompiers sont arrivés et ont essayé de la réanimer au moins 3 heures de temps. Mais la petite Noëlla nous a quittés. Alors c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va débattre aujourd'hui. Parce que ces choses-là, c'est de trop. On a des enfants, on a des nièces. Et je parle aux parents des enfants ici, là. Je parle ici à nos gouvernements. Je parle ici aux gens qui nous dirigent parce que c'est de trop. Il faut que ça s'arrête. C'est de trop. Alors, restez connectés. On se prend juste après le générique comme à l'accoutumée. Poursuivre cette vidéo, voilà déjà la petite Noé là que vous voyez là sur la photo. Et puis je vais surtout souhaiter mes condoléances ici à ses camarades qui l'aimaient, certains de ses camarades qui l'aimaient, à sa famille, à sa maman. Vous imaginez dans quel état elle se trouve en ce moment. Tu élèves un enfant pendant 11 ans et l'enfant là se te quitte brutalement. Tu te lèves un matin, l'enfant n'est plus là. Imaginez la douleur que cette maman peut ressentir. Et je vous rappelle ici qu'elle est d'origine camerounaise, sa maman. Hein? Imaginez la douleur. Imaginez la douleur de ses camarades. Imaginez la douleur des amis de la famille. Imaginez la douleur des Camerounais, même ici, là, parce que c'est de trop ces choses-là. En l'espace de quelques semaines seulement, on connaît des tragédies. Il y a eu aussi récemment du côté de Paris, là, une petite qui a été, une petite aussi, qui s'est retrouvée en train de se faire battre par ses camarades. Elle a eu ici des blessures. Elle a eu ici tout ce que vous pouvez savoir des humiliations. Alors c'est de trop. Et je vous rappelle que cette petite ici était dans une école catholique. Et vous savez qu'ici, là, on se dit, on va payer l'école chère à nos enfants parce que c'est dans ces endroits-là que les enfants vont se sentir en sécurité. C'est dans ces endroits-là que les enfants vont acquérir ici une bonne éducation. C'est dans ces écoles-là que les enfants seront bien éduqués. Et vous vous retrouvez aujourd'hui en train de connaître le contraire de tout ce qu'on pense. Les mamans, les papas, hein, la famille ici qui se lève très tôt pour aller travailler et très dur, 8 heures de temps, 9 heures plus la pause que tu passes au travail pour payer ces écoles-là. Et aujourd'hui, ce qu'on nous rend, c'est que soit nos enfants se retrouvent en train de se suicider parce que c'est de trop, la pression est trop à l'école. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-là, qu'il faut que ça s'arrête, c'est de trop. Et nous tous ici, partagez massivement cette vidéo. Nous tous ici, on doit vraiment faire un comme jamais pour que ces actes-là s'arrêtent. Vous imaginez, il y a des enfants parfois, quand l'école commençait ici, là, quand cet enfant commençait à aller à l'école, l'enfant était content d'aller à l'école, d'aller retrouver les autres enfants, d'aller bavarder avec les autres enfants. Mais après un certain moment, l'enfant commence à avoir peur d'aller à l'école. L'enfant ne veut plus aller à l'école. Pourquoi vous vous posez certainement cette question-là? Pourquoi pour ceux qui sont parents? Moi, par exemple, je suis parent, je connais de quoi je parle.
Ce que nous qui sommes en Occident, nous subissons, même ceux qui sont en Afrique, parce que ce n'est pas seulement ici, même ceux qui sont en Afrique, hein, nos enfants, qui ont, frères et sœurs qui sont en Afrique, qui ont des enfants ici-là, c'est devenu de trop. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo et je vous demande vraiment de partager massivement cette vidéo-là dans toutes vos pages, chaînes et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner dans la page Les Voyageurs de Benguet. Hein, parce qu'on va commencer à faire des directs là-bas. Abonnez-vous sur cette page-là. Je vais mettre le lien comme ça en dessous. Alors, Noël, ici, là, la petite Noël, était âgée de 11 ans. Elle fréquentait dans une école de la place ici à Paris. Hein? Elle s'est vue harcelée par ses camarades ici, là. Et boum, elle est partie à la maison. C'est sa petite soeur de 5 ans qui la retrouve pendue avec la ceinture des karatékas ici, là, derrière la porte. Quelques minutes après, les sapeurs-pompiers sont arrivés. Ils ont essayé pendant des heures à réanimer Nuella. Alors, la mort a eu raison sur Nuella. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est l'heure du combat. On doit combattre contre ces actes-là qui arrivent à nos enfants. On doit combattre contre tout ce qui se passe. Pourquoi c'est seulement à nous? Pourquoi c'est seulement à nous que ça arrive? Nos enfants, ici-là, qui n'arrivent pas à fréquenter comme il se doit, parfois on les recale à l'école. Maintenant, comme ça ne suffit plus avec les recalages qu'on les fait à l'école, il faut maintenant que les autres enfants, hein, les autres enfants là, des gens là, hein, commencent à harceler nos enfants. Et parfois, les enseignants sont complices ici-là. Parfois, les enseignants couvrent les enfants. Quand le parent ici se rend à l'école pour aller poser la question ici-là, qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Mon enfant vient se plaindre chaque jour qu'elle se fait harceler ou alors il se fait harceler. Il y a les enfants qui battent sur lui, qui arrachent son goûter. Les enseignants ici couvrent les autres enfants. Oui, c'est normal. Vous devez jouer votre rôle ici de protéger les enfants. Alors, quand vous protégez les enfants, vous devez protéger tous les enfants. Pas seulement les enfants des autres, mais nos enfants, vous les exposez. Hein? Parfois, on vient même, on pose la question par là aux autres enfants. Essayez de vous savoir qu'est-ce qui ne va pas. Soit on ne te prend même pas, soit on ne s'occupe pas de toi, soit c'est quoi le problème? Qu'est-ce que nous, on vous a fait? On se lève chaque matin, c'est 4, 8 heures de temps, 9 heures de temps, 10 heures. Parfois même toute la nuit, on travaille pour envoyer ses enfants à l'école. Et c'est ce que vous nous rendez? Alors, c'est pour ça que moi, je fais cette vidéo. Il y a de cela seulement quelques mois, il y a eu une dame ici là qui s'est placée en plein air, hein, nue, pour parler de ces choses qui arrivent à nos enfants dans nos écoles. Ici, la dame se plairait, c'est pour la petite histoire, elle se plaignait ici que son enfant est brillante à l'école. Son enfant ici, là, fait tous ses devoirs. Elle est première de sa classe, mais on envoyait son enfant quand il fallait aller maintenant au collège, que non, elle ne peut pas aller au collège, il faut qu'elle aille faire la formation. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'elle doit aller faire, on la canalise où elle doit faire la formation, elle n'a pas là, elle ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que son intelligence ici, ces gens-là ont parfois peur que l'intelligence de nos enfants ici-là va faire en sorte que c'est eux qui vont diriger les sociétés, c'est eux qui vont être, qui vont avoir les premières places ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut casser le rythme ici-là. Alors, c'est de trop. C'est de trop. Aujourd'hui encore, comme ça ne suffit plus, il faut maintenant commencer soit à monter les autres enfants, soit à laisser les autres enfants battre nos enfants, harceler nos enfants, arracher le goûter à nos enfants. Et l'enfant, c'est l'enfant. En certains moments, c'est de trop. Nous, les enfants, nous, les parents, ou alors nous les âgés, hein, hein, ou les adultes ici, là, il y a parfois, on peut résister à certaines choses. On peut se retrouver en train de trouver les solutions à certaines choses. Alors, l'enfant ici, là, qui n'a pas cette tête-là, qui n'a pas encore ce mental-là, se retrouve dans les états qu'on voit aujourd'hui. Et c'est de trop, les amis. Alors, je vous dis, levons-nous, faites un. C'est ensemble là qu'on va vaincre ça. C'est ensemble là que les gouvernements, hein, vont prendre cette affaire à main. Parce qu'il ne faut pas que les actes comme ça se multiplient, arrivent chaque fois dans notre société pour que le gouvernement se lève et se prenne des précautions ici là.
on ne voit pas dans les autres communautés ces choses-là. Même si ça se passe, mais c'est pas comme chez nous là. Nous, on a fait quoi dans ce monde pour mériter toujours ce genre de choses? Pourquoi ces choses-là n'arrivent qu'à nous? Tu t'imagines 11 ans, 11 ans, les parents ici là se battent jour et nuit pour élever un enfant, pour éduquer un enfant, pour habiller cet enfant-là, pour soigner cet enfant-là quand il est malade. Et un matin comme ça, l'enfant te quitte parce que l'enfant n'en peut plus. Vous êtes parents, hein? Vous nous dirigez, vous êtes parents. Imaginez la douleur des parents. C'est pour ça que vous me voyez par exemple en noir aujourd'hui. Imaginez la douleur des parents quand un parent perd un enfant à cet âge-là. Pas que l'enfant était malade. Pas que l'enfant a eu un accident. L'enfant s'est donné la mort. Alors, nos dirigeants, prenez cette chose-là à main, on vous en supplie. Prenez cette chose-là à main, c'est le moment. Il ne faut pas que ces actes-là se multiplient, ça soit des centaines, des milliers, ainsi de suite, là, pour que vous compreniez que non, ça craint. On n'en peut plus, on ne veut plus de ça. Moi, je ne serai pas long dans cette vidéo. Alors, levez-nous un. Faisons un et combattons ça. Partagez cette vidéo-là. On veut la justice de la petite Nouéla et la justice des autres aussi qu'on a battu dans les écoles ici-là. Qu'on batte chaque jour dans les écoles. Que les autres enfants ici-là maltraitent dans les autres écoles. Que les enseignants même maltraitent dans les autres écoles. On ne veut plus ça. Laissez nos enfants fréquenter comme il se doit. Laissez nos enfants aller à l'école comme tous les autres enfants. Tout enfant ici, là, comme je connais, c'est en Europe, a le droit d'aller à l'école, a le droit de s'éduquer, a le droit ici, là, de devenir quelqu'un. Vous savez combien de fois on se donne à fond dans vos sociétés, dans tout ce qu'on doit faire. On a le même sang, c'est la même couleur, c'est le rouge. Il n'y a pas le sang bleu. Alors, donnez-nous et donnez-nous la force aussi, là, d'éduquer nos enfants. Aidez-nous à éduquer nos enfants comme vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit ici-là. Alors, comme je vous ai dit, ma vidéo ne sera pas longue. C'était le mot ici-là. Et ici, je prie, prions tous pour le repos éternel de la petite Nouéla. Et qu'elle repose en paix. Mais que justice soit faite. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans la chaîne, abonnez-vous. Et surtout, partagez massivement. Et que justice soit faite. Alors, ciao, on se prend dans les prochaines vidéos.